Sur ce, et avant notre page météo, je vous rappelle que cette nuit, nous sommes passés de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Merde ! Eh oui. Il est quelle heure, alors ? 9h au lieu de 8h à la même heure qu'hier. Oh putain. Tu en avances ? Là, je suis en retard. Si je perds une heure, mais je perds tout, en fait. Ici, vous êtes chez John Sioux. Ça, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un pli pour Monsieur Leroy, c'est bien vous ? Sioux. Autant pour moi, Monsieur. Monsieur Sioux, pas Monsieur. Vous signez là ? Il est où le facteur ? Bah ici. Je veux dire, le facteur. Mon facteur. Je le remplace. Grippe. Bleu, noir ? Grippe bleue. Grippe, point. Stylo bleu, virgule, bleu ou noir ? Et bleu ou noir, c'est pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Le bleu d'Auvergne, par exemple, c'est pas noir. En revanche, le nord de Bigorre... C'est très bon. Merci. Pas pareil. Voilà, merci, bonne journée. Pas pareil. Monsieur Leroy ? Sioux. Excusez-moi, c'est assez lourd. Est-ce que vous pouvez me rendre un petit service ? C'est-à-dire que là... Montez cette porte en bas. La montée en bas ? Oui. Je suis votre nouveau voisin du dessous, je fais des travaux. Je voulais monter cette porte sur Ségon, et tout seul, c'est un peu compliqué, alors c'est pour ça que je voulais vous deux. D'accord. Merci, c'est gentil. D'accord, j'ai compris, je veux dire. Je veux dire, pas d'accord, enfin, je veux dire, j'ai dit d'accord, je comprends, mais pas d'accord, en fait. Écoutez, je suis très pressé. Demain, avec plaisir, d'accord ? D'accord. Vous êtes libre ? Pourquoi, vous avez quelque chose à me proposer ? Bon, allez, montez. Vous pouvez me déposer à l'avenue du Général de Gaulle. Je suis hyper pressé. Alors, vous êtes dans le jus. Ben, c'est normal, hein, quand vous êtes pressé. Un rendez-vous ? Il y a des tas de gens qui sont pressés d'aller nulle part. Vous devez être à quelle heure ? 9h30. Bon, ben, vous aurez un petit quart d'heure de retard. Ça vous va, ça ? Vous connaissez le quart d'heure américain ? Le quart d'heure académique. Voilà. Ben, le quart d'heure. De Gaulle, quel numéro ? 27. Non, quel numéro ? Je veux dire, c'est un sacré bonhomme, quoi, De Gaulle. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça fait 10 euros. Vous l'indiquez ? Merci. Merci oui ou merci non ? Pas de ticket, merci. Pile en retard. Votre
votre rendez-vous vous attend. 38e étage. Ascenseur de gauche à droite en sortant, puis couloir de gauche situé sur votre droite si vous venez d'en face. Ça ira? Très bien. Vous montez? Je monte. En haut. Vous allez? Bien. Vous allez au 38e, c'est ça? C'est ça. Attendez, mais vous êtes... Content. Monsieur, s'il vous plaît, c'est le 3e étage ici. Messieurs? Vous allez? 38e. Monsieur Leroy. C'est ça? C'est Sioux. Si? Où? Sioux. John Sioux. Comme les Indiens. Et John? Comme les cow-boys. Comme les cow-boys. John, ça fait cow-boy, ça. John. Parce que Jean-Philippe, par exemple, ça fait pas très... Ça fait pas très cow-boy, Jean-Philippe. Non, Jean-Philippe, ça fait pas très cow-boy. Bon, 38e, c'est le terminus, là, tout le monde descend. Droite, sortant, rond, puis... Couleur de gauche située sur ma gauche, ma droite, j'arrive en face, donc c'est... La direction du recrutement. Vous êtes? Un peu en retard, je suis désolé. Vous avez rendez-vous? Exactement. Avec Monsieur François? C'est ça. Vous voulez boire quelque chose? Merci, c'est gentil. Bonjour, allez-y, je vous en prie. Ça va, John? Ça va aller. Bien. Nous voilà réunis pour cet ultime entretien. Je m'appelle Pierre-François. Et je suis le responsable de ce projet. Alors, je vous présente Aculina Preskov. Bonjour. Anne Legrand. Bonjour. Et John Sioux. Bon, bonjour. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été les plus endurants. Les meilleurs. Beaucoup de prétendants au départ, trois à l'arrivée. Personnellement, j'aurais pas tenu le coup. Nous sommes arrivés au terme d'un long processus. Enfin, presque arrivés, puisque vous ne serez très bientôt plus que deux face à votre destin. Aculina, on m'a dit que vous aviez failli vous faire avoir, non? Hier matin, bêtement, chez le pédiatre. Le pédiatre? Pourquoi un pédiatre? Vous avez un problème avec les pédiatres? Pas du tout. Et vous, Anne? Vous n'avez rien remarqué d'anormal ces jours-ci? Moi, je n'ai pas d'enfant. John? Ben, je n'ai pas d'enfant plus. Que je sache. Mais sinon, rien d'autre? Depuis ce matin, tout le monde me prend pour le roi. Le roi? Tant que vous ne vous prenez pas pour lui. Mais ce n'est pas la question. Ce qui nous importe ici, ce sont les réponses. Excusez-moi, Aculina, c'est ça? C'est ça, Aculina Preskov. C'est idiot, hein, mais vous ressemblez à ma sœur. Votre sœur? Voilà. C'est curieux de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui ressemblent aux gens qu'on aime. Bah, du coup, je vous aime bien, déjà. C'est gentil. Ah non, c'est pas gentil, c'est vrai. Oh non. Ah si, si. Je suis désolée, mais non, c'est pas gentil, c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est vrai. Sûrement, mais la règle, c'est ni oui, ni non. Vous comprenez? Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Bon, au revoir, Anne. Au revoir, Anne. Pas de deuxième chance. Vous n'en aviez qu'une seule, celle de participer. Vous l'aurez compris, l'adversaire que vous devez avoir à l'œil, c'est pas l'autre, c'est vous. Bienvenue pour la grande finale. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la joute finale de ces deux candidats qui n'ont pas commis la moindre erreur. L'heure est venue maintenant de la commettre devant vous. Je suis fier et heureux de vous présenter Aculina Preskov et John Sioux. Il s'agit d'un exercice difficile. C'est pourquoi je vous demande de respecter un silence absolu. Je vous rappelle que les réponses doivent être aussi courtes que les questions. Une seule erreur et c'est la fin. C'est bien compris? Très bien. Très bien. Pile ou face? Pile ou face, c'est pareil. Il n'y a pas de hasard. Voltaire. Éluard. Vous voulez commencer? J'ai déjà commencé.
Alors je vous en prie, honneur aux hommes. À mon homme. Akulina Preskov, c'est bien ça? C'est Preskov qui te surprend? C'était le nom de ton chien quand t'étais petit. Tu peux m'expliquer ce que tu fous là? Vous la connaissez? Plus que vous l'imaginez. Bien moins qu'il ne le pense. Bah, vas-y. Explique-nous ce que vous pensez, alors. Mais c'est très simple, mon chéri. J'ai tout fait pour être sélectionnée. Pour faire partie des meilleurs. J'ai tout enduré pour être là, en face de toi. Ou plutôt pour te mettre face à tes responsabilités. Ça fait des mois que tu fuis, que tu doutes, que tu nous évites, que t'as peur. Alors quand j'ai appris que tu t'étais inscrit à ce concours, à cette épreuve, à ce jeu absurde du ni oui ni non, je me suis dit que j'allais te faire prendre à ton propre jeu. C'est-à-dire? Je sais à quel point tu t'es battue pour arriver en finale. Avec quel talent t'as pu éviter de prononcer ces deux mots qui conditionnent les choix du quotidien. Les choix d'une vie. La belle affaire, hein? Que de pouvoir se retrancher derrière ces faux-semblants. De louvoyer. De répondre lâchement. À côté. Écoutez, pour l'intérêt de la finale, je pense qu'il est temps de revenir à l'essentiel. Justement, nous y sommes. Tu crois pas? Alors bien sûr, tu dis oui. Tu dis non. Dans les deux cas, tu seras éliminé du jeu. Mais si tu dis oui, t'auras pas tout perdu. T'auras gagné le serment de mon amour. Parce qu'on ne perd jamais rien à dire oui. Parce qu'on ne perd jamais rien à dire oui. Michel. J'ai un pli pour Monsieur Leroy, Seigneur. C'est ça, Akulina Preskov. Michel Leroy. Vous ressemblez à ma sœur. La règle, c'est ni oui ni non. Ça ira. Alors, pour la cinquième et dernière fois, Michel Leroy, acceptez-vous de prendre pour épouse Julie Legrand, ici présente? Michel? Parfaitement. Parfaitement? Parfaitement. Parfaitement. Ça veut dire oui? Tout à fait. Donc, donc, Michel, donc, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il a dit oui. Moi, j'ai rien entendu. Vous avez entendu quelque chose? Oui. Non. On vous dit qu'il a dit oui, c'est qu'il a dit oui. Ah oui? Oui. Je vous déclare donc unis par les liens sacrés du mariage. Mais toi, t'as dit oui? Oui. Depuis un moment. On a gagné alors?